Salut à tous, c'est Baïsanka, donc on est rentré de vacances avec Tintin. Comment ça va Tintin? Bonjour. Bien tranquille? Ça va. Les poignets? Bien récupérés. T'arriveras à tenir une manette? Ça craque plus? Non, ça craque plus. Nickel. Donc malheureusement, le DLC est sorti le même jour que nos vacances. Du coup, j'ai pris un jour pour vous présenter les véhicules, il n'y a pas eu plus de vidéos. Là on est rentré, je vais vous en présenter et on va commencer avec tous les objets qu'il y avait à débloquer dans le bunker. Les armes améliorées, les armes sur les véhicules, les camouflages que j'ai pas pu vous présenter lors de la présentation des véhicules. Et pour ça, j'ai dû payer très très cher, donc je vais vous montrer rapidement. J'ai débloqué les 45 recherches qu'il y avait à faire, je les ai tous accélérées. 225 000 dollars l'accélération de la recherche, en tout je crois que ça fait un petit 10 millions, quelque chose comme ça. Là je les ai tous, regardez. Projet de recherche terminé, 45 sur 45. Et du coup, je vais vous les présenter aujourd'hui en deux vidéos pour pas que ce soit trop long. La première, je vais vous montrer les améliorations des armes et les camouflages. Et ensuite, dans la vidéo qui suivra, je vais vous montrer les véhicules améliorés, les nouvelles armes qu'on va pouvoir mettre sur ces véhicules et les camouflages, du coup, que j'ai pas pu vous présenter la dernière fois. Un petit merci quand même aux abonnés qui m'ont aidé à faire ces missions pour les matières premières et tout ça. Donc merci à Bang Bang, à Rage, Amig, il y avait aussi l'imposteur. Ouais, Docteur Sanka. Franchement, un gros merci à eux. Et du coup, on va se rendre au MOC. Et pour répondre à toutes les personnes qui mettent dans les commentaires que ça se dit pas MOC, en anglais, c'est MOC, c'est Mobility Operation Center. Donc MOC, ça se dit, c'est juste. Donc, il est où? Il est là, il est garé là-haut. Je me perds encore un peu dans le bunker, hein. Je vous jure que j'ai pas encore joué des masses. Hop, par ici. Heureusement qu'il y a une minimap quand même. Ouais. Et ensuite, ici, du coup, on va rentrer dans le camion par derrière. Bim. Et on va aller sur le petit atelier. Je pense pas que ce soit payant, du coup, vu qu'on les a débloqués. Mais ça va être un petit style d'ammunition. On va pouvoir améliorer nos armes. Alors, attends, voir. Merde. C'est juste ici, voilà. Hop. On va ici. Flèche de droite. Et ici, on a le pistolet. Et tout en haut, regardez, on a transformé. Donc, je vous l'avoue, je l'ai pas vu tout de suite. J'ai dû demander à Rage. J'ai dit putain mais comment on transforme les armes. Et il m'a dit bah putain regarde il y a un onglet tout en haut. Et je sais pas, ouais, j'avais même pas remarqué. Donc transformer. Ah mais putain en plus c'est payant, ah, ça c'est de l'arnaque. Bon, une petite remise de 21% quand même. Putain, tu te fais chier à débloquer des trucs. Tu payes pour une recherche rapide. Ah tu croyais tout de même pas que ça allait être gratuit, bah, une amélioration d'arme. Bah je sais pas, tu le débloques alors je pensais que ça allait être gratuit. Regarde la diff, t'es prêt? Tu vois l'arme? Vas-y. Attends, je peux zoomer? Ah putain, je peux pas zoomer. Boum. Ouais, ok. Ouais, c'est plus moderne. Ah mais après je peux regarder, attends, ça c'est rien, mon ami, ça c'est rien. Changer quoi? Ah, ok, munitions pleines. Ah, t'as différentes munitions, t'as vu? Les balles normales et des munitions pleines. C'est bizarre en fait, ton truc là, bah ouais. Je sais pas. Ah bah chargeur. On s'en fout, c'est la capacité ça. Oh putain gars, mais regarde en fait c'est du munitions blindées. Incendiaire, ouais. Munitions balles creuses, pointe creuse, munitions blindées. Oh, stylé comme ça. Oh là 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 là. Et il est beau le violet. Hein. Incendiaire, ouais. J'ai envie d'essayer. Ensuite, on a les lunettes. Oh là là, fait... c'est du Call of, mon gars. Après, c'était quand on dirait un B23R là. Lampe tactique. Ah, c'est stylé ce qu'ils ont fait. Frein de bouche. Oh, le silencieux. Frein de bouche, t'as vu ça où? Ah ouais, c'est marqué, ouais. Et le compensateur. Oh, l'arme du futur, mon gars. Motif, ah. Donc là, normalement, il y a des camouflages aussi. Voilà, ça, c'est les camouflages que vous pouvez débloquer avec les recherches dans le bunker. Le camouflage crânien. Celui-ci, le C-109. Perseus, Léopard, Zébré. Attends, je vous les montre quand même assez lentement. Putain, on va avoir des armes magnifiques. Il peut être celui-là. Hop, direct. C'est le dernier. Oh, regarde, boum. Non, c'est pas le dernier, c'est celui-là le dernier. Boum, 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 boum. C'est lui boum. Le dernier, il n'y en a pas d'autres? Il pète, hein. Non, sur celui-là, il n'y en a pas d'autres. Ok. Le zébré, j'aime bien, là. Bah, celui-là aussi, il est stylé, le boum, là. Ouais, le boum, il est stylé. Sur un sniper, tu sais. Ouais. Ils auraient dû marquer one tap. Merde. Ouais, one tap. Ah, putain, c'est excellent. Couleur pour motif. Oh, ah, du rouge avec le chargeur. Oh, ça va avec le chargeur, regarde, on dirait GMK. Franchement, ouais, je suis sûr que GMK il aurait un gun, il serait comme ça. Oh, c'est stylé les teintes. Oh, c'est la couleur secondaire ça. Ça, c'est la teinte en fait. Là, ils ont pas fait comme les voitures, ils ont fait couleur pour motif et teinte. Ok.
Mais ouais, couleur principale, couleur secondaire en gros. Ouais. Putain. Oh, oh là, j'ai flashé direct dessus. Ah ouais, ok, t'as les couleurs normales. Ouais. Et ensuite t'as des combinaisons, regarde. Ah, rouge et jaune métallisé. Blanc ah, et turquoise. Ah ouais, mais là il va y avoir des combinaisons de guns, mais tu vois, on va pouvoir faire des top 10. Oh, elle est stylée comme ça, regarde. Belles armes. Ouais, mais regarde, là elle est stylée comme ça, mais ensuite si tu changes règle, regarde. Ouais. Même, stylée comme ça. Ouais. Oh putain, ouais, les... En fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Possibilités de dingue. C'est un délire. Ouais, c'est un délire. Et c'est que sur un petit flingue. Ouais. T'imagines sur des assauts, j'ai envie de voir les... Ah tu vois, c'est du... Ouais, du... Putain, comment dire, des couleurs combinées, un peu de regard. Contraste orange, contraste jaune. Oh, elles sont trop stylées, bah vraiment, on l'a laissé comme ça. Ouais. Elle est méchante comme ça. Rétablir. Non, bah non. Bah non, du coup. Ah oui, ça, ok, ça c'est pour la remettre à zéro, ok. J'avais pas vu que c'était la fin du truc. Ouais. Pah, ça c'était le petit gun, les gars. Maintenant, prends une grosse, là. Mais ah, on va tous les faire, on va tous les faire, gros. Tu veux tous les faire? Bah bien sûr, on présente. Bim! C'est pour ça qu'on a des sous, d'ailleurs. Oh, comment elle a changé! Ouais. Oh, c'est stylé. Donc ça, je comprends pas vraiment. Munition pleine, ouais, voilà, du coup, c'est bon. Chargeur. Donc c'est pareil, chargeur blanc. Là, par contre, on a des munitions traçantes qu'il n'y avait pas tout à l'heure, regarde, avec le chargeur blanc. Mm. Avec des repères lumineux visibles teintés de la couleur choisie pour l'arme. Capacité standard. On va être blindé, on va se faire avec du violet sur celle-ci, lampe tactique on la met. Donc blindé pour les véhicules. Je pense pour les véhicules. Blindé, ça peut faire mal. On va mettre un petit comme ça. Je trouve ça moche les lunettes. Ouais, ça fait. On met quand même, tu sais, pour qu'ils se rendent compte quand même du truc, tu vois. Frein de bouche, c'est le silencieux. Oh putain, tous les. Ah putain, on peut pas regarder bien de l'autre côté. Il y en a blindé là. Attends, je vais mettre ça comme ça du coup. Frein de bouche épais. Précision, lourd, incliné. Oh putain, ils sont fous. Oh, celui-là, mais le dernier, on dirait le frein de bouche du FAMAS. Bim, direct. Canon. Ça change quoi là? Ça, tu vois la pile? Ah, au-dessus, ouais. Ouais. Ok, ouais. Devant, là. Bon, même dernier. Là. Ouais. Motif. Donc ça, généralement, on aura tout le temps les mêmes. Hein. Ah, c'est dommage, ils ont pas mis le camouflage intégral. Ouais. C'est dommage. Putain, vrai. Oh, regarde avec le gros boom là. Ouais, par ouais, contre, ça par contre, c'est pas mal. Ça, c'est stylé. On met comment celle-ci? Avec le violet, on pourrait faire quoi? Ah, celui-ci, il était pas mal avec les points là. Avec les. Celui-là? Celui-là, ouais. Faire un zébré un peu avec le violet? Ouais. Alors, couleur motif, du coup, on met ça en violet. Ah, oh, ça peut être stylé. Bah, enfin, violet ou la couleur que tu veux, mais. Un truc regarde, qui ressort y a bien. Même des. Terres d'ombre. Ah, moi, je verrais bien un jaune. Hein. Les tachetés jaunes? Ouais. Là. Verlim. Y'a pas verlim, si verlim. Là. Voilà. Et ensuite teinte. Ça fait mal comme ça. Elles sont magnifiques les couleurs. Oh regarde. Ouais. Vert et vert. Oh, on dirait un nerf. On dirait un nerf. Et t'as vu, ça va avec le. Ah, ils ont fait, je pense, quand même des couleurs qui vont avec les. Les embouts de. De chargeur. De chargeur. Ouais, ouais. Regarde, elle est stylée. Enfin, sans enlève les motifs léopard, tu sais, mais j'aime bien le bleu et blanc. Mais là, franchement, on dirait des camouflages Call of. Hein. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'avais dit, tout au début de GTA, ça serait stylé, tu sais, que t'es la conduite vraiment comme un pur, tu sais, genre comme un grand Turismo, une vue FPS comme dans un Call of, ouais. Tu vois. Et regarde, on est presque, on y arrive avec les custom d'armes. Hein. Ah, comme ça, elle est magnifique en tout cas, celle-ci. Ouais, au final, elle est quand même toute peinte. Hein. Ça passe, malgré que le motif soit pas partout. Ouais. Pas mal. Ensuite, fusil d'assaut. Ah bah ça c'est la seule qu'on a vue sur le screen. C'est la casse. Ah, on dirait elle est passée dans le pack à punch, regarde. Attention. Presque 100 000 $. Oh la vache, elle est plus longue. Ouais, elle est plus agressive on dirait. Ouais. Munition pleine. Alors les chargeurs, oh putain. Ah, là c'est un petit bracelet, t'as vu. Ouais. Toujours traçante, incendiaire, perforante et blindée. Bleu. On s'en fait une pile bleue. Ah bah c'est perforant. On s'en fout pour le. C'est quoi la différence entre le perforant et le blindé? Perforant, je pense que tu. Bah, c'est censé perforer tout, mais non. Ouais, non, ça je va. Pense au niveau de. Plus sur nous, sur les PNJ ou sur les joueurs qui ont des gilets pare-balles. Tu dois plus leur fracasser le gilet, peut-être plus vite, tu vois. Donc, chargeur, c'est fait. Poignée, moi je l'ai mise, hein, y en a qu'une. Lampe tactique, y en a qu'une. Lunettes.
se mettre une petite comme ça. Un viseur laser. Ouais. Bah, holographique, c'est marqué. Ensuite, frein de bouche. Ça, c'est bien qu'il y en ait plein. Oh. Mmh. Putain, mais il n'y a même plus assez de place, tu sais. Elle est énorme, le bordel. Mais ça, c'est imposant, là. Celui-là, il est bien. J'aime bien celui-là aussi, un peu bizarre carré comme ça, t'as vu. Ça va un peu avec les carrés sur la crosse derrière et tout. Ah, mais pas de silencieux, par contre, on est là pour faire le bordel. Canon. Oh, attends, voir le canon. Ah, ça rajoute... Ouais. Renforcé, on dirait, tu sais. Un petit anneau. Motif. On avait écrit boom en dessous, du coup. Au-dessus aussi, là-haut. Sur la crosse, partout. Pas mal. Ah, le camouflage, il y est presque intégral, là. Ouais. Celui-là, il peut être pas mal, tu sais, genre un peu... Ouais. AK de riche, tu sais. Je crois que c'est les logos, tu sais, genre Louis Vuitton, un peu, les logos, un là, peu, t'sais. Ouais. Hop là, on va voir ce que ça donne. Ah bah, le Louis Vuitton, on y est presque, hein. Avec quoi? Là, avec les couleurs? Ouais. Ah ouais, bah c'est ça. Je voulais les mettre blancs. Et voir avec les... Attends, en fait, d'abord, faudrait voir les teintes qu'ils proposent. Oh, regarde, elles sont belles, hein, les teintes. Mm. Il est où, le blanc est... Elle est belle comme ça. Ah, je préfère bleu. Et du coup, maintenant, on va aller voir les motifs. Non, attends, ils sont où, là? Elle peut être avec les booms, hein. Ah, elle va pas beaucoup. Comme ça. Ouais, il y en a, ouais. Bah, après, tout le reste non plus. Voilà, ça fait ça. C'est la sélection du mode de tir, là, qui gâche un peu. Le? Ah, le sélecteur de tir, ouais. Ouais. Ah putain, ils auraient dû continuer à écrire boom dessus. Par contre, t'as vu, là, il y a un petit carré, écrit boom tout pile. Ouais, ouais, bah, il cherche vraiment. Ouais. Bon, celle-ci, on va la mettre comme ça, je pense. Ensuite, j'ai fini, teinte. On a fait, rétablir. Attends, je montre quand même un peu les autres teintes avec cette arme-là. Or métallisé, des armes en or. Ah, celle-ci aussi, elle peut être pas mal. Mm. Ah, le rouge, il pétait pas mal aussi. Classique. Lequel, le? Le rouge au-dessus. Je crois que c'était rouge, je suis daltonien, mais on voulait pas. Lequel, dis-moi, stop, lui? Non, c'était vers le haut. Voilà, ah, bah, c'est ça. Ah, bah, c'est tout en bas. Ouais. Ah, c'est celui qu'on a mis sur le petit gun. C'est pour ça que j'essaie d'en faire des un peu différentes, tu vois. Et hop, une rouge. Hop, hop, hop. La carabine. Ah, 102 000. Eh, ça monte, hein. Plus on avance, plus c'est cher, ouais. Bim. Bim. Oh, elle est belle. Putain, on dirait... Une ACR, non? Ouais. Non, je sais pas trop, en fait. Je sais pas, j'ai 36, ça a vite fait l'avant, un peu comme ça. Ouais, peut-être. C'est bizarre. Alors, attends, chargeur, du coup. Bon, là, c'est que les couleurs à chaque fois. Hein. C'est quoi qu'on n'a pas fait? On a fait blanc, on n'a pas fait blanc. Non. Balle traçante, allez, hop. Poignée, il n'y en a qu'une. Lampe tactique, on la met. Lunettes, on va mettre la petite. Frein de bouche. C'est toujours les mêmes aussi, on met celui-là. Canon. Canon lourd. Motif. Des petits booms. Ah, elle passe bien comme ça aussi. Ouais, mais mieux autre chose que le boom. Écriture blanc. Les têtes de mort, on les a pas mises. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas si ceux-là, elles sont. Là, j'étais bloqué. Je sais pas si. Arctique. Attends, d'abord aller voir les teintes, choisir une teinte, je pense. Ouais, il est beau le bleu là. Ouais, je suis pas fan. Ça fait un peu du violet presque, regarde des endroits. Mm. Enfin, ouais, je parle de couleur avec toi aussi. Ça. Comme ça aussi, elle pète. Oh! Ouais, elle est belle comme ça. Elle est magnifique. Ouais. Attends, je continue à montrer les couleurs. Ah putain, or métallisé et platine là, il faut faire les. Au stand de tir. Ah, débloquer les. Ah putain, niveaux. Regarde, elle est en toutes les couleurs, même en vert, elle pète, hein, regarde. Ouais. Tu vois vert? Bah, c'était écrit de toute façon. Ouais, non, mais tu vois quoi vert, ouais. Ouais, mais c'est écrit, pour moi c'est vert. Pour essayer de comprendre les couleurs que tu bugs. Ah, elle pète avec les petits détails comme ça, ouais. Et du coup, couleur motif, bah, on va laisser ça comme ça. Je te rassure, il n'y aurait pas écrit vert, j'aurais vu ça jaune. Ouais. Ah, putain, celle-ci. 113 000. T'es prêt? Caraboum! Oh! C'est un minigun? Ouais, on dirait un minigun, tu sais, sur les tourelles un peu là. Oh putain, il y a des balles traçantes et tout aussi dessus, mon gars, les perforantes. Poignées. Hop. Ouais, les armes, elles ont pris 40 ans d'un coup là. Ah bon?
Ah, pack à punch, je crois. Ouais. Ah, t'as un gros truc comme ça, le canon. Allez, direct. Motif. Oh, il y en a partout. Ah bah mais ça, ça fait boum 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 boum. Oh putain. Là, j'aime pas trop les têtes de mort. Je sais pas quoi mettre. Après, il y en a plus haut aussi, des plus simples. Hein. Ouais, sinon, mais les camou classiques. Bah, y'a que pixel, pinceau. Pinceau, elle est stylée aussi, un peu. Regarde, il est bien fait le bordel. Couleur pour motif, du coup, on va laisser gris et on va voir avec les teintes. On... Pas mal. Putain, ça fait vraiment des bêtes d'armes. Mm. Ils ont bien choisi leurs couleurs là. Ah, mais j'ai déjà fait une en bleu. Ah putain, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment belles comme ça. Ouais. Même comme ça, regarde. Ouais. En vert. Non, je suis moins fan. Attends, on dirait des jouets. Ouais. Comme ça, le pète. Ça va bien avec le gris et les petites taches, je trouve. Comme bon, décide-toi là, trouve une couleur. Non, bah je montre un peu tout, tu vois. Comme ça, elle est belle. Tu laisses comme ça. Ouais, ouais. Et ensuite, oh le snipe. 157 000, t'es prêt? Ouais, je pense que c'est, je pense que c'est, ça va être un barré de 500. MSR. Ah, je sais pas trop. Bon, en tout cas, il y a un sacré canon. Allez, chargeur. Oh, il est beau le chargeur. Mm. Oh, explosive. On avait ça? Ah, bah, munitions explosives. Non, il y avait pas. Incendiaire. Ah, ouais, putain, mais non, il y avait pas. Oh, ça va faire mal. On va faire un truc de. Oh, putain, ah, c'est les lunettes thermiques. Ouais. Ah, nocturne ou thermique? Mais thermique. Ah, ça va pas avec la couleur du chargeur. Un gars qui est relou, tu sais. Tu veux quoi, thermique? Thermique, ouais. Rouge, alors on va le faire rouge. Ah non, on a pas les balles explosives. Ah si, là, incendiaire. Mais non, mais laisse les balles explosives. On s'en fout de la couleur du chargeur qui va avec la lunette. Explosive? Ouais, faut que ça pète. Canon. Hop. Motif. Alors encore, ça passe. Mm. Comme ça pourrait faire stylé. En fait, il fallait voir les teintes, ouais. C'est ce qui fait tout. Après, tu choisis limite ton motif, tu sais. Un truc bien pétant où il faut du jaune et du rouge. Pas mal. Elle est stylée comme ça. Il est chouette comme ça aussi. Hein. Avec les beaux, regarde, stylé. Mais ils sont coupés. Ah, y'en a juste là, regarde. Ouais, c'est dommage qu'il soit coupé, ouais. Voilà, elle est chouette. Comme ça? Ouais. Ouais, sur le snipe, encore sympa, ces têtes de mort, tu vois, ça fait... On a l'habitude de voir des snipes bizarres dans Call of Duty, des dessins bizarres. Putain, là, c'est énorme. Ah, voilà, les gars, les armes améliorées. Je vous les remonte vite fait, je zoome un petit coup. Hop là. Elles sont stylées de fou. Ah, quand même sortir avec ses armes. Pour tirer quand même. J'espère que je peux tirer quand même. Non, faut qu'il sorte du bunker. Ouais, ouais, mais si je suis pas en mission, je veux dire. Ah ouais. Tu sais, peut-être que c'est des armes que pour les missions, je pense pas. Putain, les armes de bâtard. Ça a abusé. Mais ça fait des sous tout seul, t'as vu, 161 000 valeur. Petit garde là. Allez hop, quitter le bunker, j'ai envie de tester tout ça là. J'espère que je vais les avoir. Lester, qu'est-ce que tu veux toi? On s'en fout. Ah, y'a pas de munitions, par contre, tu les as pas achetés? Si, y'en a un peu. Y'en a que 20. Ça, c'était quoi ça? C'était. L'AK? De qui toi? Reste avec lui. Il est mort? Non, il a sauvé. Je joue, il est mort. Une balle, mon gars. Il se relève même pas. Attends, je vais tout mettre sur l'hélico pour voir. C'est quoi le type de balle que t'avais là-dessus? Bleu, je sais plus. Attends, stop. Ça, c'est bleu aussi, regarde. Bleu, c'était blindé, non? Ah, je sais pas. Ouais. Ou c'est un... Non, ouais, il fume, hein. Ah, voilà. Là, je sais plus. Ça, c'est une arme normale. Toi, ça a pas fait masse dégâts, hein. Attends, là, j'ai ça, là. C'était quoi, ça? Attends, ça, c'était des munitions perforantes. Et ça, c'est des munitions blindées. Ça, je pense que ça nique les... Ah, t'as dur de deux. Ouais, bah, ouais, mais non, attends, je vais en chercher une autre alors.
Y'a pas une autre voiture. J'ai dit perforantes, je pense. Les perforantes, je pense que c'était les. Pour les gilets pare-balles et tout. Ah, y'a pas d'autre voiture. Ça, je vais voir le snipe. Attends. Oh, la thermique. Oh, c'est stylé, ouais. Je suis là, bande de cons. Ah, mais putain, mais par contre, c'est. Il y en a quand même, tu peux l'enlever. C'est pas mal, tu peux l'enlever, regarde, hop, hop. Ouh, une balle. Ah ouais, c'est une balle explosive. Putain. Ah, c'est chaud par contre comme ça. Ah, quoique. Oh là là. C'est abusé. Attends, je vais essayer juste les balles. Ah putain, il y a un hélico. La balle blindée. Ça, c'est les blindés pour les voitures. Ah bah, j'en ai plus. Et blanc c'est. Ah, attends, blanc c'était traçable. Munition traçante. Ah ouais. Ah, tu vois les trucs qui partent. Ah, c'est ça du coup qu'on peut les, nous les tracer. Attends, en train de me rendre fou. Ah, c'est pas le bon. Ah, c'est pas le bon. Ah, j'espère que c'est pas trop cher les munitions. Hein. C'est cher. Je vais mourir. Ah, mais j'ai plus. Oh, ça, j'ai pas acheté de balles en fait, tu en as. Le petit gun, on l'avait mis en quoi? Allez. Ah, oh, incendiaire, on a pas testé ça. Oh. Oh, oh mais j'ai tué. On les a tous essayés de toute façon. Ouais. Bon, voilà les gars, on a fait le tour des armes. J'espère que ça vous a. Ça va vous aider un peu dans votre choix si vous voulez les améliorer ou pas. Mais franchement, c'est pas mal. Mais du coup, les munitions, je vais quand même vite aller voir les munitions, les prix, au cas où, pour leur, si je peux. Oh, ouais, c'est pas donné, hein. 58$ les 8 balles. Au moins, bien se ruiner, ouais. 264 balles les 20 balles. C'est dépaysé. 265 balles les 20 balles. Ouais. Oh, comment c'est cher. Ah, 500 balles. Oh, 1500. Les 4 bastos, ouais. Et tu peux en avoir que 40. Oh là là, et tu pourrais avoir tes prix, hein, mon petit salaud. Bon voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu si c'est le cas. Partagez-la pour informer vos potes. Et je vous dis à tout à l'heure du coup pour la vidéo présentation des améliorations des véhicules. Allez, à tout à l'heure les gars, ciao. Quand je dis pouce, vous dites bleu. Pouce bleu, pouce bleu. T'as aimé la vidéo? Lâche un pouce bleu.